Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Des millions de fans du monde entier ont partagé le chagrin de la fille de Michael Jackson lors de ses funérailles. L'émotion est toujours aussi forte, alors que la question sur les causes de la mort prématurée du chanteur n'est toujours pas éludée. 2 ans après l'événement et après 6 semaines de procès, le tribunal de Los Angeles a reconnu Conrad Murray, médecin personnel de Michael Jackson, coupable d'homicide involontaire sur la personne de Michael Jackson, alors âgé de 50 ans. La cour a jugé qu'il avait administré à la star une dose fatale de propofol, un puissant analgésique habituellement utilisé dans les hôpitaux. Aucun médecin responsable n'administrerait cette substance sans avoir à sa disposition le matériel de réanimation adéquat. Pendant le procès, 49 témoins ont été appelés à la barre et 300 pièces à conviction ont été présentées à la cour. Nous, jurés, déclarons l'accusé, Conrad Robert Murray, coupable d'homicide involontaire. Conrad Murray a été emprisonné pour 4 ans. Jugé dangereux par le président du tribunal, il va perdre son droit d'exercer la médecine. Cela met un terme à l'histoire extraordinaire de la vie et de la mort prématurée de Michael Jackson. Voici l'histoire de la vie du chanteur qui a été officiellement reconnu comme la plus grande star de tous les temps. Personne ne peut susciter autant l'intérêt que Michael Jackson. Michael était non seulement un artiste hors pair, mais aussi un compositeur émérite, un excellent interprète qui avait un sens inné de la scène. Il y avait beaucoup de choses liées directement à sa vie dans son travail, une vie de tous les extrêmes. Nous analyserons la vie extraordinaire et la mort prématurée et inattendue de Michael Jackson et ce qu'il a fait devenir l'homme qu'il était. Pendant 4 décennies, aucune autre célébrité n'a été aussi adulée ou détestée que lui. Sacré roi de la pop, Michael Jackson jouissait d'un talent exceptionnel. Mais ses habitudes de vie étaient controversées. Et sa mort a suscité des polémiques. Pendant le procès du docteur Murray, un enregistrement a été entendu dans lequel Michael Jackson paraissait sous emprise de sédatifs. Cet enregistrement a été trouvé sur le téléphone mobile du médecin de la star et le procureur l'a utilisé pour avancer la thèse que le chanteur avait mis sa vie entre les mains de son médecin. Lors de sa plaidoirie, le procureur a indiqué que le docteur Murray avait causé la mort de la star le 25 juin 2009 par négligence et de ce fait a privé des enfants de leur père et le monde entier d'un génie de la musique. La défense a argumenté que Michael Jackson était un drogué, mort suite à une overdose de propofol, mais cela a été rejeté. Je pense que sa mort aurait pu être évitée s'il avait reçu les soins d'un médecin compétent. Je crois qu'il n'était pas entre de bonnes mains. Mes amis, dans la profession médicale, ont été sidérés d'apprendre que Michael prenait ce médicament parce qu'il n'est jamais administré hors d'une surveillance hospitalière et donc surtout pas dans le cadre d'un traitement à domicile. Le docteur Murray a violé les bases mêmes de la relation qui existe entre un médecin et son patient. Il s'agit d'une négligence grossière, et quelqu'un comme Michael Jackson aurait dû avoir un excellent médecin. Le docteur Murray en prison, le récit des dernières heures de la vie de la star ont provoqué un sentiment de colère, en même temps qu'un extrême soulagement. Les rumeurs sur un éventuel suicide du chanteur étaient démenties. Tout allait tellement bien pour lui. Jamais il n'aurait fait ça, ne serait-ce que pour ses enfants qu'il aimait tant. Michael ne se serait jamais suicidé. Bien sûr, malgré sa mort tragique et prématurée, la légende Michael Jackson, l'homme qui a été sacré roi de la pop, va perdurer.
Quelle a été la véritable contribution de Michael Jackson à la musique, la danse, la mode? Ses amours qui ont fait couler tant d'encre ont fait de lui un phénomène mondial. Michael Joseph Jackson est né à Gary, ville industrielle de l'État de l'Indiana, le 29 août 1958, septième d'une fratrie de 9 enfants. Son père, Joseph Jackson, était un sidérurgiste qui a détecté très tôt un talent musical dans sa progéniture. Il a donc fondé un orchestre composé de Jackie, Jermaine, Tito et Marlon. En 1963, alors qu'il avait tout juste 5 ans, Michael s'est joint au groupe. Joe était très attaché à la discipline et il imposa un régime strict à Michael et à ses frères. Les innombrables heures de répétition ne leur laissaient que très peu de temps pour des loisirs que connaissent habituellement les enfants. Avez-vous rencontré Joe ? J'ai rencontré Joe plusieurs fois. Et ? Michael et son père sont tellement différents. Si on regarde bien son parcours, Joe est originaire d'une petite ville très pauvre du centre des États-Unis, qui a été tirée de l'anonymat grâce à l'énorme célébrité de son fils. Michael est tout le contraire. Michael qualifiait la relation avec son père de chaotique. Joe recherchait tellement la réussite de ses fils que pendant les répétitions, la moindre fausse note ou petite erreur pouvait mener à une punition corporelle très dure. Michael lui-même a parlé de son horreur d'être battu par son père. Fouetté, disait-il. Il racontait la façon dont son père s'asseyait pendant les répétitions, avec la ceinture, prête à leur tomber dessus s'ils se trompaient. D'un autre côté, il considérait son père comme un génie parce qu'il leur a insufflé une discipline qui leur a permis de présenter un numéro sur scène parfaitement rodé. D'après moi, Michael était un homme très sensible. Vraiment très sensible. Quand vous avez un père ou une mère extrêmement strict, certains enfants le supportent, mais d'autres en sont réellement affectés. Les gens réagissent différemment à la maltraitance. En ce qui concerne la famille, je ne crois pas que les frères de Michael aient été affectés psychologiquement aussi profondément que lui. Il en a vraiment souffert. Il a gardé cela toute sa vie, le fait que son père l'ait harcelé et poussé et ne l'ait jamais vraiment considéré comme un fils. À chaque fois qu'il parlait de son père, son visage changeait et l'on pouvait déceler tout le stress qu'avait causé leur mauvaise relation. Cela lui a fait beaucoup de mal, réellement. Plus tard, Michael a dit que ce travail avait été beaucoup trop dur pour un enfant. En revanche, il se remémorait la joie que lui avait procuré le chant et la danse. Il a évoqué son enfance avec moi. Il s'est vraiment confié sur cette période et ses relations avec son père. Ce que le public ignore, c'est qu'il a pardonné à son père le mal qu'il lui avait fait. À la fin de sa vie, ils étaient en bons termes tous les deux. Tout ça, je crois que c'était de l'histoire ancienne, vous savez. Michael lui avait pardonné. Si Joe n'avait pas agi comme ça, il n'y aurait pas eu de Michael Jackson. Moi, je ne suis pas de ceux qui accusent le père. Ils étaient très pauvres. Il a su déceler le talent chez ses 7 enfants et il les a révélés au monde. À 8 ans, Michael était devenu le chanteur principal du groupe. Les Jackson Brothers devinrent les Jackson 5. Et ils commencèrent à se produire dans les clubs du Middle West. Joe Jackson a toujours su que ses enfants allaient devenir des stars. Je pense que ça l'ennuyait beaucoup que Michael ait les meilleures prédispositions, car il n'a jamais été particulièrement proche de son plus jeune fils. C'est pourquoi il a probablement été plus dur avec lui. Michael montrait déjà un talent extraordinaire pour son âge. Il impressionnait le public par sa façon de danser et sa capacité à exécuter des figures complexes. Après avoir gagné un trophée à un concours local en chantant « I Got You » de James Brown, les Jackson 5 signèrent un contrat avec Berry Gordy du label légendaire Motown Records. Quand je l'ai entendu chanter pour la première fois « Who's Loving You » de Smokey Robinson, il avait 10 ans. On aurait dit qu'il vivait les paroles.
Le chagrin, l'émotion qu'il parvenait à faire passer dans cette musique et ses paroles, c'est comme s'il avait chanté cette chanson pendant 50 ans. Il était tout simplement brillant. Le groupe a fait sensation instantanément. Leur premier single, I Want You Back, a été immédiatement propulsé numéro 1 aux États-Unis et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Quand vous lanciez ce disque sur la platine, vous étiez tout d'abord pris par ce piano extraordinaire. Puis par le charisme en forme de plainte de Michael. Cette plainte qui expirait sur les premiers mots. Aux premières paroles, on était subjugués par ce jeune talent extraordinaire. I Want You Back, c'est simplement une chanson pop classique qui dégouline des baffles. Mais il y a une telle vitalité dans ce disque. Il y avait également une petite touche de soul. C'est ce qu'on a appelé la pop chewing gum. Quand vous entendiez cette chanson, vous ne pouviez vous empêcher de la fredonner. La musique était non seulement accrocheuse, mais il y avait aussi la voix fantastique de ce petit bonhomme et de ses grands frères derrière lui. Vous ne pouviez qu'être surpris par leur talent. Le public est devenu dingue de ces jeunes. On se coiffait comme eux, on portait les mêmes tenues qu'eux. On ne voulait plus aller à l'école. C'est comme ça qu'on l'a vécu à cette époque. On était fascinés. Ils transcendaient les races et les barrières. Tout le monde les adorait. À 11 ans, Michael était le plus jeune chanteur du groupe, mais la maison de disques disait qu'il en avait 9. Cela le rendait encore plus mignon aux yeux du public. Les Jackson 5 avaient tout du paradoxe des enfants stars. Une énergie d'enfant combinée à un incroyable professionnalisme au niveau chorégraphique. Cela se voyait que Joe, le père, leur avait inculqué la volonté d'être excellent visuellement et vocalement. Et bien sûr, leur coiffure afro-géante les faisait remarquer, tout comme leurs chemises bariolées, leurs pantalons pas de def. C'était le look à avoir. On les imitait instantanément. La Jackson Mania se répand comme une traînée de poudre dans tout le pays. Et un an après leur début, les Jackson 5 font partie des meilleurs groupes de musique pop. Les quatre titres de Jackson 5 se sont élevés au premier rang du hit parade aux États-Unis et ont été également de grands succès internationaux. Pour beaucoup, c'est la voix extraordinairement adaptée de Michael et ses chorégraphies qui ont procuré cet engouement international aux Jackson 5. Très tôt, Michael a su transmettre l'émotion par sa voix, peut-être parce qu'il était le plus jeune de la fratrie et qu'il avait subi la brutalité de son père, ou bien est-ce parce qu'il ressentait une certaine solitude. Mais il a affirmé qu'il avait été en proie à de fortes émotions, très jeune. Il avait la capacité de faire transparaître l'émotion dans une chanson. Enfant, Michael a toujours été précoce. C'était un avant-gardiste, un véritable génie dans tout ce qu'il faisait. Sa condition d'enfant star l'a conduit naturellement à entretenir une réelle amitié avec Mark Lester, qui s'est forgé un nom en interprétant le rôle d'Oliver dans le film du même titre de 1968. Michael a commencé à l'âge de 5 ans. Moi, j'ai commencé aussi à 5 ans. Alors on se comparait tout le temps. Il est évident que Michael était bien plus célèbre que moi, habitué au feu de la rampe depuis tout petit. Nous ressassions souvent nos souvenirs. Vous vous rappelez de ces petits inserts dans le magazine Tiger Beat où on faisait le portrait de quatre stars? Celui de Michael revenait le plus souvent, ainsi que les frères Osmonds, David Cassidy et moi. On était ceux qui se trouvaient tout le temps dans ces magazines.
Michael en prenait un, trouvait son portrait, et le mien sur la page suivante. Du coup, il nous voyait toujours en parallèle. Il m'a dit qu'il avait adoré la version filmée d'Oliver et que la comédie musicale avait toujours été sa préférée, depuis toujours. Ce qui est plutôt étrange venant de Michael, qui dominait le monde de la pop et qui a composé tant de super disques. Vraiment que lui me dise que c'était sa comédie musicale préférée, c'était un véritable honneur pour moi. C'est en 1972 que Michael a fait des débuts encourageants en solo avec la chanson du film Ben, qui a été un succès international. Depuis tout jeune, il était évident que Michael saisissait chaque opportunité qui pourrait lui servir plus tard. Quand il n'avait pas de spectacle, il s'installait au pied de la scène à Polo and Rigo. Et il écoutait des gens comme James Brown, Smokey Robinson ou Jackie Wilson. Il regardait et il apprenait en même temps, repérant des trucs ici et là. Il était très observateur. Et quand le moment est venu pour lui de se lancer seul, il avait des tas d'idées. En 1975, après 13 albums et un grand nombre de tubes, le label Motown et les Jackson 5 se séparent. Ils prennent un nouveau départ sous le label Epic Records et se rebaptisent tout simplement les Jackson. Mais la voie du succès ne se dément pas, les tubes se succèdent. En 1977, Michael joue dans un film The Wiz, un remake du Magicien d'Oz. La troupe est entièrement afro-américaine. Michael y fut un épouvantail, tandis que le rôle de Dorothy revient à Diana Ross. C'est sur le plateau que Michael fut présenté à Quincy Jones, qui guida Michael dans l'enregistrement de son étonnant premier album solo, Off the Wall. Le premier single qui sortit fut Don't Stop Till You Get Enough. Don't Stop Till You Get Enough devint numéro un immédiatement. Elle distille tellement d'énergie dans sa rythmique complexe que le degré de perfection est tout simplement étonnant. En fait, le titre inquiétait sa mère parce qu'elle pensait que cela pouvait avoir une connotation sexuelle. Michael lui rétorqua qu'on ne pouvait pas empêcher les gens de penser ce qu'ils voulaient. Il préférait rester ouvert d'esprit et jouer sur les mots. Don't Stop Till You Get Enough a représenté un tournant dans la carrière de Michael, parce que ce tube l'a propulsé comme le chanteur solo des Jackson. Quand ce titre est sorti et qu'on l'a découvert seul sur la vidéo, il est devenu inoubliable. Dans cette vidéo, on ne voit rien d'autre que lui qui danse merveilleusement dans son beau costume. Off the Wall a confirmé l'indéniable talent de Michael et l'a propulsé au rang de vedette. Ce disque de platine s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Le succès de cet album l'a conduit à un partenariat de 9 ans avec Quincy Jones. Ils produisirent ensuite l'album Thriller en 1982. Le premier single, This Girl Is Mine, ne fit pas sensation. C'était une chanson pop sympa, un duo agréable avec Paul McCartney, qui fut classé deuxième. Mais qui ne devint pas un classique comme l'a été Billie Jean, qui rafla tout sur son passage. Billie Jean est probablement la chanson la plus célèbre de Michael. Elle devint un tube malgré un thème assez particulier. C'est plus triste, c'est une chanson qui parle de méfiance, d'anxiété, de paranoïa. And paranoia. She was more like Beauty Queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one. Michael était désireux d'écrire des chansons qui pouvaient faire danser les foules. Des chansons qui exploraient les sentiments qu'il avait en lui. Dans mon souvenir, l'histoire de Billie Jean est une image de tous ses fans qui venaient l'écouter. Surtout au temps des Jackson 5. Je pense que Michael était vraiment sidéré par leur comportement frénétique vis-à-vis de lui. En 1982,
Incroyable. Il faut un esprit extraordinaire pour assimiler cet engouement, pour faire de cette histoire une chanson de ce genre. Avec Billie Jean, vous avez cette phrase musicale très classique agrémentée des cordes. Cela procure au morceau une atmosphère particulière. Le talent de compositeur de Michael n'est pas reconnu à sa juste valeur. Cette chanson, Michael l'a pratiquement composée seul chez lui dans son studio. Ensuite, ils l'ont bien arrangée et l'ont parfaitement mixée. Le clip de Billie Jean est impressionnant parce qu'on voit bien qu'il est tourné dans un décor naturel. Et à chaque fois qu'il fait un pas, les lumières s'allument. Il répétait les pas de danse jusqu'à pouvoir les danser dans son sommeil. Il maîtrisait tout et la synchronisation était absolument parfaite. C'était génial de voir comment il pouvait prendre une chanson et en faire un spectacle dont on ne pouvait détourner les yeux. Quand il marche dans la rue, on en est captivé. L'idée est assez simple en soi. Mais il savait exécuter la performance de telle façon qu'on ne pouvait pas l'oublier. Ce tube a été un tournant historique pour plusieurs raisons. D'abord, cela a forcé MTV à passer des clips d'artistes noirs. Walter Etnikoff, qui était le patron de CBS à l'époque, a déclaré que ceux qui ne passaient pas Billie Jean n'auraient pas d'autres clips. Ce tube était tellement populaire que MTV s'est rétracté. Depuis, bien sûr, les artistes noirs passent sur MTV. Beat It est le troisième single de l'album Thriller. Et le solo de guitare de Eddie Van Halen lui a amené les amateurs de rock. La chanson titre Thriller était le quatrième single composé par Ron Templeton, le talent sur lequel s'est appuyé Michael pour la composition de plusieurs de ses chansons. C'est dingue qu'il ait pu travailler avec Rob Templeton, ce parolier extraordinaire. Il y avait aussi Quincy Jones, l'un des meilleurs producteurs de tous les temps, et lui, Michael Jackson. Trois artistes hors pair. Ces trois musiciens, les meilleurs au monde dans leur catégorie, se sont associés pour produire Thriller. On s'en rendait compte dès les premières notes. Vous saviez que vous alliez être accro. C'est tout simplement une intro extraordinaire. Pour l'époque, le clip était une véritable innovation. Il durait plus de 14 minutes. John Landis, le réalisateur, avait tourné des films d'horreur, mais avec une certaine intelligence. Il arrive sur le projet et combine ses talents à ceux de Michael. Et résultat, ils ont produit un clip tout simplement phénoménal. Les masques de Rick Baker et une chorégraphie éblouissante ont fait de ce clip un monument. Il était tellement apprécié qu'un documentaire sur le tournage de ce clip a battu les records de vente dans le monde entier. Le public était subjugué. On s'habillait comme Michael Jackson. Tout le monde portait les mêmes vêtements. Le seul sujet de conversation était Thriller. Tout le monde s'identifie à Michael Jackson. C'est vous dire l'ampleur du phénomène. La partie la plus mémorable de ce clip est d'entendre la voix d'outre-tombe de Vincent Price, le grand acteur de films d'horreur. Ils avaient déjà commencé les prises quand Quincy Jones a proposé de contacter Vincent Price. À l'époque, Michael ne le connaissait pas, mais Quincy Jones lui en avait parlé et à partir de là, Michael a donné son accord. Ils demandèrent donc à Vincent Price de venir et je crois qu'ils ont tourné une ou deux scènes. L'album Thriller a été un succès énorme et il est devenu numéro un aux États-Unis et en Angleterre simultanément. Il est resté classé dans les 10 premiers du Billboard américain pendant une année entière. 7 des 9 titres ont intégré le top 10 du jamais vu.
tout comme l'habileté vraiment unique de Michael à pouvoir fusionner les influences musicales diverses. Il était attiré par des styles très divers. Il fusionnait des influences que personne d'autre n'aurait mélangées. Il y a une différence entre regarder Michael imiter James Brown, comme on peut le voir sur des clips, et l'entendre chanter et danser inspiré par Fred Astaire ou Charlie Chaplin. À l'écouter et à le voir, on réalise qu'il amalgame toutes sortes d'éléments différents. Aujourd'hui, Thriller reste toujours l'album le plus vendu de tous les temps, avec un nombre estimé à 110 millions de copies distribuées à travers le monde. Dans les années 80, Michael Jackson était aussi célèbre qu'un chef d'État ou un politicien. À 25 ans, le New York Times l'a qualifié de phénomène de la musique, déclarant que dans le monde de la pop musique, il y avait Michael Jackson et les autres. Michael Jackson compte parmi le très petit nombre d'artistes à avoir été nommé deux fois au Rock'n'Roll Hall of Fame. Parmi ces trophées, il compte 8 citations au Guinness des records, dont une pour Thriller, qui récompense le disque le plus vendu au monde. Michael a remporté 13 Grammy Awards, et 13 de ses tubes sont devenus numéro 1 durant sa carrière solo. Le chanteur a son étoile sur Hollywood Boulevard. Le président Bush l'a reçu à la Maison Blanche quand il lui a décerné le prix du meilleur artiste de la décennie. Mais ceux qui ont travaillé ou enregistré avec Michael ont été impressionnés par sa façon de travailler. Michael was looking for 3 males and a female, and so 4 of us went in together, and the 4 of us had worked together in studio situations before. We had auditioned for him and we were videotaped, and he liked us. He's completely tuned into what he's doing, as well as being tuned into what you're doing behind him. And that's nice for a singer, because he can appreciate what we do because it's what he does, and he has an ear for that. And And if you do something that he likes, then he comments on it. And you don't always get that with really big people. You know, he could be just tuned in what he's doing and then split, but he's not. You know, he knows exactly what's going on, and he appreciates what's making his show exactly what he saw in the very beginning. C'est au 25e anniversaire du label Motown en 1982 que Michael, chantant Billie Jean, a effectué pour la première fois son très célèbre Moonwalk. Il interprétait cette chanson d'une façon nouvelle et il a donné au public l'occasion d'en retirer une nouvelle expérience visuelle. La presse a couvert l'événement dans le monde entier. Et MTV, qui avait été sommé de faire passer à l'écran les artistes noirs, réalisait ses meilleurs audimates avec les clips de Michael. Un étrange accident survint en 1984, alors qu'il interprétait Billie Jean avec ses 4 frères dans une pub pour Pepsi Cola. Michael a été brûlé au second degré sur le crâne. Et il a dû avoir recours à la chirurgie esthétique pour retrouver son apparence. Brian Oxman, l'avocat qui représente la famille Jackson, a prétendu que c'est à cette époque que Michael est devenu accro aux analgésiques. Quand ses cheveux se sont enflammés lors du tournage de la pub pour Pepsi, il a commencé à prendre des analgésiques. Il est tombé de la scène, il s'est cassé la jambe et s'est fêlé une vertèbre, ce qui lui causait des douleurs horribles. En 1987, l'album Bad est sorti dans les bacs. Bad était le 3e disque de la trilogie de Quincy Jones. Au moment où ce disque sort, l'image que Michael a de lui-même n'est plus la même. Avec Off the Wall, il voulait faire un album de tube. Après la sortie de ce disque, il a senti qu'il n'avait pas été reconnu à sa juste valeur et s'est mis à rechercher un public de masse. Il réussit et s'est mis à se préoccuper de son apparence. Pour Bad, il se met à poser avec l'apparence d'un mauvais garçon. C'est dans ce cadre-là, avec Bad, que Michael a commencé à s'intéresser à la personnalité qu'il projetait. Bad devait être un duo avec Prince. Michael avait écrit la chanson et Prince l'aimait beaucoup. Prince disait qu'elle allait devenir numéro 1. Mais il pensait qu'elle était écrite pour propulser Michael en haut des charts, parce qu'il allait tourner un super clip, sortir une nouvelle danse et qu'il y aurait beaucoup d'émotions. Du coup, Prince s'est retiré et Michael l'a fait tout seul. Bad a pris la première place au hit parade.
Le nouveau look de Michael a surpris ses admirateurs. Le changement était énorme. Tout le monde était stupéfait par sa nouvelle apparence. Il avait abandonné les vestes, rangé les strass, et ses cheveux donnaient l'impression d'être mouillés. Il portait un blouson en cuir, comme les stars de rock. Michael n'avait jamais eu ce look de bad boy. Il ressemblait à un chanteur de rock. La première fois que j'ai entendu Bad, honnêtement, j'ai eu des doutes. Et puis quand j'ai vu le clip, j'ai complètement changé d'avis. C'était génial. On retrouvait son célèbre moonwalk. On était complètement absorbés par la scène du métro. Le clip avait vraiment donné de la consistance à la chanson. La célébrité de Michael Jackson était alors au plus haut, et sa tournée Bad Tour faisait la une de toute la presse dans le monde entier. Avant de monter sur scène en Angleterre, Michael a remis au prince Charles et à la princesse Diana un chèque de 350 000 euros pour la fondation d'aide à l'enfance de la princesse, ce qui représentait les recettes de son concert de Wembley. Michael a offert à Diana deux costumes qu'il avait utilisés lors de son Bad Tour. Un pour chacun de ses fils, les princes William et Harry. En 1988, Michael a imaginé, conçu et réalisé Neverland, qui a été l'endroit où il désirait passer le restant de ses jours. C'était un homme au fait de sa gloire qui ressentait le besoin de vivre dans un énorme parc d'attractions. Portant le même nom que l'île du livre Peter Pan de J.M. Barrie, Neverland était le parc d'attractions féerique de Michael. Il y avait même un zoo et des attractions toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Le ranch de 12 000 mètres carrés à Santa Barbara en Californie employait 54 personnes à plein temps. C'était un monde de rêve pour les enfants. Et Michael avait même un chimpanzé comme animal de compagnie. J'ai été invité à Neverland. Le portail en bois s'ouvrait sur le chemin jaune du magicien d'Oz. Il y avait Charlie et sa chocolaterie. Tous les personnages de Disney y étaient reproduits. Il est évident que c'était une façon d'échapper à la réalité. Un jour, nous sommes allés à Neverland. Mes filles avaient 6 ou 7 ans à l'époque. On a passé une semaine avec Michael dans son ranch. On est allé sur les manèges, on a visité le zoo, il y avait un cinéma et on a vu tous les films qu'on voulait. À la fin de la semaine, j'ai demandé à mes filles ce qu'elles avaient préféré durant leur séjour à Neverland. Toutes les deux ont répondu en chœur que c'était Michael. Michael était un homme qui avait une telle fortune qu'il pouvait faire ce qu'il voulait chez lui. Et il choisit de créer un univers pour enfants. D'évidence, c'était un paradis pour eux, mais aussi pour l'enfant qu'il était lui-même. Michael invitait souvent des enfants, particulièrement ceux atteints de maladies graves, parce qu'il désirait leur procurer de bons souvenirs. Ce qui m'a frappé à Neverland, c'est le grand nombre d'enfants défavorisés du monde entier. Ça lui coûtait des millions pour gérer ça. Tout au long de sa vie, Michael Jackson a généreusement donné aux associations caritatives. En 1992, il a créé sa propre fondation, Heal the World, un nom tiré d'une des chansons de l'album Dangerous qu'il venait de sortir. Are we blind to the fact that our children are raging against the indifference, crying out against the abandonment, of thundering against the neglect? Heal the Kids is about doing something, about making a difference, and trying to help adults and parents realize that it is our power to change the world that our children live in. Il a vraiment œuvré totalement et sans relâche pour les associations caritatives.
Ce qu'on a essayé de faire passer dans les médias, c'est que sa fondation n'avait plus d'argent et plein d'histoires comme ça. Que c'était très mal géré. Ils ne se sont jamais rendus compte de ce qu'il avait fait pour les enfants malades. Ceux qui étaient atteints du cancer, par exemple. C'est quelqu'un qui a tellement fait pour eux. On connaît mal ce côté de lui. On n'en parle pas beaucoup dans les médias et je trouve ça triste. Michael a tant donné. Je crois que c'est l'artiste le plus généreux qui ait jamais existé. Dans le Guinness des records, il doit être juste derrière Bill Gates en matière de dons. Michael, c'est un grand honneur de présenter ce chèque $1 million qui représente le montant décerné à Heal the World. Aux États-Unis, le single le plus populaire de l'album Dangerous a été Black or White. Ce que les gens oublient à propos du clip Black or White, c'est qu'il a été très controversé. Il a même été censuré. La plupart des gens connaissent la partie principale qui célèbre la diversité. Quand la musique s'arrête, à la fin du clip, une panthère noire arrive sur scène et Michael révèle le côté sombre de la chanson, le racisme. L'indignation de Michael se déchaîne. Il communique une violence intense. Il jette son chapeau, casse une vitre, fait montre d'agressivité sexuelle. Le public n'a pas bien compris. Quand on a regardé Dangerous, on a vu un personnage une nouvelle fois différent. Sa peau s'était encore éclaircie et je crois que les gens ont commencé à s'interroger. Ils pensaient que Michael ne voulait plus être noir. À ce moment-là, il sort l'album Dangerous avec le single Black or White. Sa peau est de plus en plus claire. Mais que se passe-t-il donc chez lui ? Beaucoup de gens à l'époque ont pensé que Michael s'éclaircissait la peau par décoloration. Il s'est senti attaqué et répondait à ses critiques par ses chansons en demandant si cela avait de l'importance qu'il soit blanc ou noir. C'est seulement beaucoup plus tard, vraiment plus tard, une quinzaine d'années après, qu'on a su qu'il était atteint de vitiligo, cette maladie de peau qui vous fait perdre toute pigmentation. Il s'est défendu en indiquant qu'il souffrait de vitiligo. Ce qui est curieux, c'est qu'à l'époque, personne ne l'a cru. Ce n'est qu'après le rapport d'autopsie qui en fait mention que les gens ont changé d'avis. Et les stars étaient entourées de mystères. C'était une autre époque. Ce n'était pas comme aujourd'hui. On sait tout sur tout le monde. Les artistes ont toujours été énigmatiques. Je ne pense pas que son entourage trouvait intéressant de tout raconter sur la vie de Michael. Imaginez quelqu'un qui grandit sous le regard du monde entier. Cette personne a une maladie de peau assez particulière et le public se met à dire qu'elle a honte de sa race. Elle ne veut plus être noire. Elle essaye de se faire passer pour blanche. La physionomie de Michael changea tellement qu'il est impossible de croire que ces altérations étaient toutes dues à sa maladie de peau. Si tout le monde peut se faire refaire, pourquoi Michael Jackson n'aurait-il pas droit à la chirurgie esthétique? Vous devez comprendre que c'était un être humain, il avait autant de doutes que n'importe qui, et comme il avait été fortement critiqué par son père dès son plus jeune âge, cela l'a blessé profondément. On lui avait dit tellement de fois que son nez était trop gros, que lorsqu'il a pu se le permettre, il l'a fait réduire. Tous les mauvais traitements subis dans son enfance ont contribué à son désir de changer son apparence. N'oublions pas que c'était également un artiste et il a commencé à considérer son visage comme un canevas sur lequel il tentait des expériences pour atteindre la perfection physique. L'énorme changement dans l'apparence de Michael Jackson a incité les médias à faire toutes sortes de spéculations. Des rumeurs ont circulé sur le fait que lui et sa sœur, la Toya, n'étaient qu'une seule et même personne, et qu'ils tentaient de ressembler à Diana Ross.
It's been said that Michael Jackson underwent plastic surgery to make himself look more like you. I don't think so. Is that true? No, I don't think he has. No one's ever told me. He's never told me that. I don't think so. But is it unnerving for you to have a young man that's undergone plastic surgery to make himself look like you? Well, I don't think he's trying to look like me. I really don't. I think he wants to look like what he perceives as makes him feel happy about himself, you know? I don't think he's trying to look like me. I do think he's quite beautiful, though, by the way. So many people really don't know him, and they don't give him a chance, and they're so ready to criticize. And I think what happens is when you see genius, and when you see a talent that is just unstoppable and untouchable, the first reaction people have is to criticize it, because it scares them, it threatens them, and it sort of, in order to augment their own self-worth, they feel that they have to belittle him. Au cours de l'été 1993, la vie de Michael a été bouleversée par l'accusation d'abus sexuels sur un petit garçon de 13 ans. Les accusations d'abus sexuels sur des enfants à Neverland ont été réfutées immédiatement. Le cas s'est réglé à l'amiable, en versant une somme estimée à plus de 15 millions d'euros et la plainte a été retirée. Now, if this really went on, do you think a father would accept money, that would make it okay, that would make everything all right? It doesn't make any sense. I know that if that were my son, I'm sorry. I don't care if you gave me $1 billion. I want to see you either behind bars or dead for doing that to my son or my daughter. It's crazy. The guy was after money is what he wanted. C'est après cette histoire qu'il s'est marié avec Lisa Marie Presley, dont le père est l'un des seuls artistes à pouvoir rivaliser avec la célébrité de Michael. Son mariage avec Lisa Marie Presley a fasciné. C'était en manchette de tous les tabloïds américains et anglais. La plus grande star des 10 dernières années épousant la fille d'Elvis Presley, la plus grande vedette de tous les temps. À l'époque, il a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Et tout d'un coup, les gens ont commencé à commenter son apparence, la blancheur de sa peau et la chirurgie esthétique qui ne lui avait pas réussi. Alors pourquoi cette jeune femme, jolie et célèbre, épouserait-elle cet homme ? Quand on s'appelle Michael Jackson et qu'on est la plus grande star de la planète, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut et choisir n'importe qui. Cette immense star ne pouvait que choisir quelqu'un comme Lisa. Dans son esprit, à la vue de sa popularité, seule la fille du King pouvait le mériter. C'était absolument fascinant. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qu'était la situation entre Michael Jackson et Lisa Marie Presley. Elle n'en a jamais rien dévoilé. Ce fut un chapitre étrange dans leurs vies respectives. Malgré les doutes émis par les médias sur la crédibilité de leur relation, Lisa et Michael démentirent les rumeurs et déclarèrent que leur amour était profond. Le mariage ne dura pas longtemps et ils se séparèrent par consentement mutuel en 1996. Dans l'année qui suivit leur séparation, il a été annoncé que Michael allait être père pour la première fois, avec Debbie Rowe, l'assistante de son dentiste. Cela faisait longtemps que Michael voulait des enfants. En réalité, il voulait des enfants avec Lisa Marie Presley, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont divorcé. Debbie Rowe a dit à Michael qu'elle lui donnerait un enfant et qu'elle serait essentiellement une mère porteuse. Elle procurerait à Michael ce qu'il désirait depuis toujours, un enfant. Peu de temps après, le mariage fut célébré en Australie. Debbie donna naissance à un garçon prénommé Prince Michael Jackson Jr., puis à une fille, Paris Michael Catherine. Mais la relation ne devait pas durer et en 1999, le couple annonça sa décision de divorcer. Michael aurait la garde exclusive des enfants. En 2002, Michael a annoncé la naissance d'un deuxième fils, Prince Michael II, surnommé Blanquette. Et jusqu'à aujourd'hui, le nom de sa mère demeure un mystère. Le single « You Are Not Alone » de l'album « History » de Michael, enregistré en 1995, reste l'un des plus gros succès commerciaux de Michael Jackson.
Les paroles de cette chanson, la première depuis les accusations d'abus sexuels, lirent les incidents récents survenus dans la vie de Michael et l'obsession des médias à son encontre, un grand sentiment d'isolement. You Are Not Alone est l'une de ces chansons qui peut être interprétée de nombreuses façons. Je pense que beaucoup de gens l'ont prise pour une chanson d'amour, mais c'est également un titre qui raconte la solitude d'une vie. Une vie sous les feux de la rampe. C'était vraiment une ballade à la Michael Jackson, dans le vrai sens du terme. C'est devenu un grand tube contre toute attente grâce au clip qui était vraiment très bizarre. On voyait Michael Jackson au lit pratiquement nu avec son épouse Lisa Marie Presley. C'était vraiment un clip très étrange. Pourtant, le titre est devenu l'un des plus célèbres de Michael. La musique de Michael comportait des références aux questions mondiales qui le préoccupaient. Dans les albums Dangerous et History, de nombreux titres ne parlent plus des relations hommes-femmes ou de danse. Michael y parle des grands problèmes sociaux. Ce qui était intéressant, c'est qu'à sa sortie, History n'a pas bien marché, malgré tous les tubes qu'il comportait. Il y avait beaucoup de choses tirées par les cheveux, comme l'idée d'utiliser une statue monumentale de Michael sur la Tamise à Londres, alors qu'on l'avait accusé d'abus sexuels sur des enfants. Pour ma part, je pense que History n'a pas reçu les honneurs qu'il méritait. En fait, certains des titres ont été élevés au statut d'icône comme Scream ou You Are Not Alone. Mais l'album ne s'est pas très bien vendu à sa sortie. À ce moment-là, il n'a pas tenu le haut du pavé, parce que Michael Jackson et sa personnalité soulevaient tant de questions que sa musique en a été éclipsée. Tout au long de sa vie, plus Michael Jackson cherchait à protéger sa vie privée et plus la presse était fascinée par sa personne et plus on parlait de lui. 99% des choses qu'on a racontées sur lui étaient des mensonges. J'ai lu qu'il avait perdu son nez. Je crois que c'était dans le Daily News. C'est absolument faux. Mais je pense qu'avec une once de vérité, on a fabriqué une histoire invraisemblable. You know what the media is like. It's called propaganda. They take anything and they blow it out. We're family. You saw the way we grew up in the two-bedroom house. Family is more important than all the success and anything, and we're always going to hold on to that. Their whole thing is to divide and conquer and to separate us. We're family. We're family. We have children. We hurt just like everyone else. He was very hurt by... Il était blessé par les ragots dans la presse. Pour se protéger, il ne lisait pas les journaux. La presse allait imprimer ce qu'elle voulait de toute façon. Donc le mieux était de ne rien lire et de ne pas s'en préoccuper. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne les attaquait pas pour diffamation. Il m'a répondu que s'il devait faire un procès à tous ceux qui écrivaient quelque chose, il serait au tribunal tous les jours. En 2001, l'album Invincible est sorti dans les bacs, le dernier disque produit de son vivant. Les critiques ont été mitigées et, malheureusement, influencées par une dispute avec Sony. Sony a réussi malgré tout à propulser ce disque au top dans 11 pays, y compris aux États-Unis. Mais au fur et à mesure, les rumeurs incessantes sur la vie de Michael éclipsaient le musicien. La curiosité et la controverse étaient ses compagnes constantes. En 2002, un incident a fait le tour du monde. On a vu Michael présenter un bébé à la fenêtre d'un hôtel de Berlin pour le montrer à ses fans. Cet événement déclencha une sorte de guerre. J'étais dans la pièce, et quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit que ça paraissait odieux. En fait, la fenêtre en dessous était close. Mais ce n'est pas comme ça que ça a été vu.
Et Michael tenait fermement le bébé. Il voulait juste montrer son nouveau-né, et ça s'est retourné contre lui. Le bébé ne courait aucun danger. Et on ne s'est même pas aperçu de l'effet produit jusqu'au lendemain, quand la presse s'en est emparée. J'ai vu les images. Et là, je me suis dit qu'effectivement, la situation pouvait paraître quelque peu dangereuse. Il n'aurait pas dû faire ça. On doit donc se demander pourquoi il l'a fait. La réponse est que les sentiments qu'il éprouvait étaient si forts qu'ils ont surpassé l'inquiétude qu'il aurait pu avoir. Il voulait présenter à son public le nouvel arrivant de sa famille, comme dans Le Roi Lion, au début du cercle de la vie, quand le lionceau est présenté à la horde. Dans ce cas précis, le bébé devait être tendu par-delà le balcon. Mais il ne pensait pas à mal. Il n'a pas réalisé son geste. Il voulait juste présenter son bébé à ses fans. L'incident conduisit naturellement la presse à spéculer sur la capacité de Michael à s'occuper de ses enfants. Mais le pire restait encore à venir. En 2003, il fut accusé d'abus sexuels sur un autre garçon. Cette fois, il fut accusé et un procès s'en suivit. Michael clamait son innocence et il semblait contrôler la situation. Mais le procès traîna en longueur et laissa des traces. I would like to thank the fans around the world. I would like to thank the fans around the world for your love and your support from every corner of the earth. My family has been very supportive, my brother Randy who's been incredible. I want to thank the community of Santa Maria. I want you to know that I love the community of Santa Maria very much. It's my community. I love the people. I will always love the people. My children were born in this community. My home is in this community. I will always love this community from the bottom of my heart. That's why I moved here. Thank you very much. Quand j'ai rencontré Michael pour la première fois, il contrôlait sa vie. Je crois qu'il a commencé à perdre le contrôle en 2003, quand il a commencé à sombrer suite aux accusations portées contre lui. In the last few weeks, a large amount of ugly, malicious information has been released into the media about me. The information is disgusting and false. Il en a beaucoup souffert. Il ne mangeait plus et il avait des insomnies. Il a vieilli de 10 ans d'un seul coup. Please keep an open mind and let me have my day in court. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Au début du procès, des foules de supporters de Michael se massèrent devant le palais de justice. Quand Michael arriva, il sauta sur le toit de sa voiture et se mit à danser. La pression était énorme. Nous savions qu'il était innocent et qu'aucun des chefs d'accusation ne pouvait tenir. Mais vous savez, beaucoup d'hommes innocents ont été déclarés coupables et les témoignages peuvent servir une partie ou l'autre. Ce furent 3 mois de stress et de présence quotidienne au tribunal. Il avait l'air amaigri et anémié. Je pense que c'est la période de sa vie qui a le plus miné sa santé, physiquement et mentalement. Michael Jackson a toujours cherché à éviter un procès pour abus sexuels sur des enfants mineurs. C'était son pire cauchemar. Il était clair pour ses proches que pour Michael, ce genre d'incident le tuerait, et en vérité, l'impact sur sa santé mentale a été significatif. Il n'avait pas le public de son côté. Le jour où il est arrivé en pyjama, les premières pages des tabloïds titraient « Banane en pyjama ». Le monde a ressenti, du moins le monde des médias, que toutes ces années de rumeurs pendant lesquelles le chanteur tentait de rester à l'écart étaient en train de rattraper Michael. I'd like to let the world know that I'm behind my son. I don't believe any of this stuff that's being written about him, because I raised him and I know him, and that's just a statement people are making. We support our brother wholeheartedly, and we stand by his side, and we're in the process of planning a trip with the whole family to visit him. Le 13 juin 2005, Michael Jackson fut déclaré non coupable.
et innocenté complètement. Il n'y avait aucun Afro-Américain dans le jury. Il y avait des dizaines de mandats de perquisition, des dizaines d'enquêtes. Ils ont dépensé des millions et ils n'ont même pas pu l'inculper pour abus d'alcool ou autre. Au lieu de prouver qu'il était coupable, on a finalement montré l'étendue de son innocence. Ils ont passé sa maison au peigne fin. La dame qui l'a accusé a même fini en prison pour fraude. Je pense que la victime, c'était Michael. Il est certain que l'anxiété causée par le procès a eu des conséquences très négatives sur la santé de Michael. Le stress et les douleurs dorsales qu'il éprouvait constamment l'ont conduit à se faire prescrire des médicaments dont il devint accro. Cet homme souffrait, cela ne fait aucun doute. Il avait besoin de certains médicaments. Mais le problème survient quand on en prend trop. Et c'est, je pense, ce qui est difficile à contrôler pour la plupart des gens. Il ne parvenait pas à contrôler cela. Au fil du temps, les amis de Michael prétendirent qu'ils firent de leur mieux pour l'aider à se sortir de cette dépendance. Je l'ai averti à de nombreuses reprises, je l'ai engueulé plusieurs fois et je lui ai dit en face, « Michael, ça va te tuer, tu vas en mourir. » Quand je me suis rendu dans sa salle de bain, j'ai vu un nombre incalculable de boîtes de médicaments divers. Il y avait du Demerol, du Paxil, du Zémuron, qui est un analgésique. Le Paxil est un antidépresseur. Quand j'ai vu tout ça, je ne me suis pas rendu compte qu'il pouvait être accro aux médicaments. Je me suis dit qu'il devait être malade et je l'ai questionné à ce sujet. Il m'a répondu que tout allait bien. Dans les années qui ont suivi le procès pour abus sexuels, bien qu'il ait été innocenté, Michael était un homme brisé sur plusieurs aspects. On racontait partout qu'il avait des problèmes financiers. Ses albums n'avaient plus le même succès. Le monde n'était pas prêt à revivre les nouvelles excentricités d'un Michael déchu par les scandales qui ont entaché sa vie. Michael Jackson est un de ces artistes géniaux et au fond de nous-mêmes, on sait que ces gens ne sont pas tout à fait normaux. Certains artistes sont excentriques, exceptionnels et très différents dans leur façon d'être. Michael était un immense artiste, il menait une vie peu commune. D'une certaine façon, quand on revient sur ses chansons, ses clips ou ses disques, on découvre une gamme artistique extrêmement riche. Varié, très vaste, qui mérite l'attention du public. Le succès non démenti de Michael fut prouvé lorsqu'il annonça en mars 2009 une tournée de concerts à Londres. Londres accueille le roi de la pop, Monsieur Michael Jackson. These will be my final show performances in London. This is it, and see you in July. Michael Jackson's announcement of L'annonce de la tournée de 10 concerts d'adieu de Michael Jackson enflamme le palais O2. Et si les places se vendent bien, il y aura peut-être des dates supplémentaires. On ne sait pas si le Michael Jackson d'aujourd'hui pourra occuper une scène aussi vaste. Ça allait être un véritable spectacle sur scène. Et c'était la spécialité de Michael. On s'attendait donc à un show plein d'énergie. Il fallait qu'il se produise sous perfusion. C'était la seule manière pour lui de tenir. L'argent était un véritable moteur pour Michael Jackson. Durant les dernières années de sa vie, il était fauché. Il vivait bien au-dessus de ses moyens et l'idée derrière ses concerts, c'était non seulement de remonter sur scène, mais aussi de gagner ces millions qui lui faisaient cruellement défaut. Des milliers de fans se déplacèrent pour acheter les billets, prouvant ainsi que l'attrait pour la mégastar était resté intact. On est venu d'Irlande pour acheter des billets. On est arrivé dans les premiers et depuis on attend.
C'est tellement difficile d'acheter des billets que nous avons passé la nuit devant la billetterie pour être sûr d'en avoir. Quand on veut vraiment quelque chose, on fait ce qu'il faut. On est venu parce qu'on savait qu'on allait voir Michael. On est là pour lui. On ferait n'importe quoi pour lui. Imaginez un peu. Michael fait un retour incroyable avec une tournée gigantesque de 50 dates. Et 1 million de places se vendent en seulement 4 heures. Ça prouve bien l'amour qu'il suscitait. Je ne crois pas qu'il ait quoi que ce soit à prouver. C'est une légende. Michael Jackson va monter sur scène, il va donner son spectacle et on le retrouvera au chapitre suivant. Il y eut des bulletins médicaux contradictoires sur la santé de Michael Jackson pendant les premiers concerts. La dernière fois que j'ai vu Michael, c'était à la conférence du Palais O2. Certains disaient qu'il avait l'air camé, d'autres disaient qu'il était sous sédatif. Je dirais tout simplement qu'il avait l'air concentré. La dernière fois que j'ai vu Michael, en mars 2009, il m'a paru très maigre. Je ne l'avais jamais vu aussi mince auparavant. Il ne paraissait vraiment pas être en bonne santé. Il m'a paru très fragile. Michael Jackson était entouré des meilleurs diététiciens qu'on pouvait avoir. L'annonce initiale était la tenue de 10 concerts au Palais O2 de Londres. Et comme tous les billets étaient vendus, d'autres dates ont été ajoutées. Je crois qu'il n'était pas raisonnable de programmer 50 concerts en 6 mois pour un quinquagénaire. Je pense que c'était trop dur pour lui. Il n'avait pas le temps de se préparer. La pression était si forte, plus forte qu'il ne pouvait le supporter. Ce n'était pas juste. En un certain sens, je pense que c'était une décision complètement irresponsable. Après que Michael eut annoncé la série de concerts, il était à Londres. Et avec ma famille, nous sommes allés passer un week-end avec lui, avant qu'il ne retourne aux États-Unis. Il était vraiment de bonne humeur et il avait un comportement positif, bien meilleur que je ne l'avais vu ces derniers temps. Il m'a dit que ses enfants ne l'avaient jamais vu sur scène. Ils avaient regardé les DVD, bien sûr, et des clips, mais ils n'avaient jamais assisté à un de ses concerts. C'est donc un spectacle qu'il avait monté pour ses fans, mais aussi pour ses enfants. Je l'ai pris à part et je lui ai demandé pourquoi il faisait ça maintenant. Il m'a répondu que ses enfants ne l'avaient jamais vu en concert et qu'il était encore assez jeune pour faire ça. Il voulait vraiment qu'il soit fier de lui. Mais les enfants ne devaient jamais le voir sur scène. Le monde ne devait jamais vivre le comeback que Michael Jackson avait promis à ses fans. Quelle est la nature de l'urgence ? J'ai besoin d'une ambulance aussi vite que possible. Bon, quelle est votre adresse? 100 North Carrollwood Drive à Los Angeles, en Californie. Code postal 90077. C'est Carrollwood? Carrollwood Drive, oui. Le 25 juin 2009, les pompiers de Los Angeles répondirent à l'appel d'urgence provenant de Carrollwood à 12h21 et 18 secondes. Malheureusement, la personne qui téléphona n'indiqua jamais aux pompiers que la personne qui était en danger était Michael Jackson lui-même. Que se passe-t-il? Monsieur, nous avons un homme ici qui a besoin d'aide. Il ne respire plus. Et on essaie le massage cardiaque, mais... Quel âge a-t-il? 50 ans, monsieur. Ok, 5 ans, d'accord. Il est inconscient, est-ce qu'il respire? Non, monsieur, il ne respire plus. Ok, et il est inconscient, vous dites? Oui, il est inconscient, monsieur. Ok. Bien, où repose-t-il maintenant? Par terre? Il est sur son lit, monsieur. Bien, allongez-le au sol. Compris? Allongez-le au sol pour le massage cardiaque. Je vais vous assister par téléphone. Quand on a su que l'homme était sur le lit, on a donné des instructions pour que le patient soit mis sur le sol pour lui administrer la réanimation cardio-pulmonaire. Compris? Allongez-le au sol pour le massage cardiaque. Je vais vous assister par téléphone. Nous avons vraiment besoin de votre aide, monsieur. Surtout, ne le laissez pas sans surveillance. Est-ce que vous avez quelqu'un de compétent qui pourrait intervenir en attendant?
Oui, nous avons un médecin personnel à nos côtés, monsieur. Oh, il y a un médecin auprès de vous. Le docteur Murray a indiqué qu'il prenait l'entière responsabilité du patient, ce qui impliquait pour nous que c'était lui qui prenait la direction des opérations. S'il avait refusé, nous lui aurions demandé de s'écarter, et le SAMU aurait eu la responsabilité totale du patient et des soins à administrer à Michael Jackson. Il ne réagit pas du tout au massage cardiaque, monsieur. Nous ne savons plus quoi faire. Ah, d'accord. Bon, nous sommes en route. Mais en attendant, vous devez suivre les instructions du médecin qui a pris la responsabilité du patient. Quelqu'un était-il à ses côtés quand c'est arrivé? Non, seul le médecin était présent. Il était seul avec lui. Bon, donc le médecin a-t-il vu ce qui s'est passé? Docteur, savez-vous exactement ce qui s'est passé? Il dit qu'il préfère vous voir pour en parler avec vous. Nous sommes en route. La question est de savoir pourquoi le docteur Murray a attendu si longtemps pour appeler les secours. Lui seul peut répondre à cette question. Il est évident que plus les secours arrivent rapidement, plus on a de chances d'être efficace. On ne s'explique pas le délai de réaction du docteur Murray et pourquoi il a mis tant de temps à se rendre compte que Michael Jackson était en danger. Continuez le massage cardiaque, nous arrivons plus vite, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. C'est ce qu'il est en train de faire, mais ça ne donne rien. Bon, ok, on arrive. Nous avons tout tenté pendant 45 minutes. Il est évident que dans les recommandations que nous faisons la plupart du temps, si quelqu'un n'a plus de pouls et ne respire plus, il faut appeler les secours immédiatement, où que vous soyez. Nous sommes à moins de 2 km, on sera là dans quelques minutes. Merci, monsieur. Rappelez-nous en cas de besoin. Oui, monsieur. Le chanteur Michael Jackson a été déclaré mort il y a 3 heures environ. Il ne respirait plus à l'arrivée des secours. On lui a pratiqué un massage cardiaque, puis il a été transporté au service des urgences du CHU de Los Angeles, où il est entré dans un coma profond. Il est décédé peu de temps après son admission. La star avait prévu une série de concerts à Londres l'été prochain. J'étais en état de choc à l'annonce de la mort de Michael Jackson. Ça ressemblait à un cauchemar. Je le considérais un peu comme un fils. Alors, ça m'a été difficile de croire qu'il n'était plus là. Si vous êtes fan de Michael Jackson, comme beaucoup de gens le sont, et j'en fais partie, vous pouvez comprendre le sentiment de perte que je ressens. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je n'y crois toujours pas. Il représentait tellement de choses pour moi. Vous avez pu remarquer qu'à la mort de Michael Jackson, qui était complètement inattendue, il y a eu cette profonde émotion à travers le monde entier, ressentie par toutes les générations de fans de Michael Jackson. Ils rendaient tous hommage à sa vie et à sa carrière, parce que l'art de Michael les transcendait, quelle que soit leur culture ou leur âge. Le talent de Michael Jackson touchait des gens très divers et les rassemblait. Après des funérailles dans la plus stricte intimité, il y eut un épanchement émotionnel mondial. On a dit qu'un milliard de téléspectateurs avaient suivi la retransmission de la cérémonie rendant hommage à la star défunte. Une cérémonie empreinte d'émotion a eu lieu au Staples Center à Los Angeles. Je trouve très triste que bon nombre de gens à Los Angeles se soient déclarés amis de Michael Jackson à sa mort. Mais où était-il donc ? Quand il avait besoin d'eux, pourquoi ne l'ont-ils pas aidé? Tout le monde l'appréciait, mais on ne le laissait pas tranquille. Il ne pouvait pas vivre sa vie comme il l'entendait. On l'aimait tellement qu'on attendait toujours plus de lui, au lieu de lui dire de lever le pied et d'apprécier pleinement la vie. Michael était en répétition à Los Angeles jusqu'à la veille de sa mort. Il se préparait activement pour ses concerts à Londres. Ce décès a engendré de sérieuses questions sur les causes de ce drame, à savoir comment un homme paraissant en si bonne forme pouvait mourir à l'âge de 50 ans. La veille de sa mort, Michael Jackson était au Staples Center de Los Angeles en répétition pour les concerts qu'il allait donner à Londres. C'était un show qui nécessitait beaucoup d'énergie, avec 10 ou 12 chansons chorégraphiées. Son manager se souvient qu'à la fin, Michael Jackson l'a pris dans ses bras et a exprimé sa satisfaction. Il était vraiment très content.
Dans ses studios un peu moins luxueux, Michael Jackson avait un emploi du temps très chargé ces derniers mois. Les gens qui l'ont vu en répétition disaient qu'il avait l'air maigre et fragile, mais en forme. Il était prêt à relever le défi et à reprendre sa place au panthéon des stars de la pop. Un documentaire sur la préparation de Michael pour la tournée This Is It, qui ne devait jamais avoir lieu, montre un interprète plein d'énergie. Il voulait vraiment remonter sur scène et faire un comeback flamboyant. Il était perfectionniste et il voulait que cette tournée soit orchestrée à la perfection. Ça lui a peut-être causé beaucoup de stress et d'anxiété. On dit qu'il avait déclaré un jour à Lisa Marie Presley qu'il avait le pressentiment horrible qu'il partirait comme son père, c'est-à-dire jeune. En fait, il est mort à la manière d'Elvis Presley, c'est-à-dire avec un corps qui ne tenait que grâce à la drogue. Je pense que pendant les 15 dernières années de sa vie, Michael avait une perception de la réalité de lui-même de plus en plus ténue. Ce qui a causé un véritable choc, c'est la révélation de l'étendue des médicaments qu'il avait ingurgités et qu'aucun médecin responsable n'aurait jamais prescrit. Quelques heures à peine après sa mort, suite à un arrêt cardiaque, la police a commencé à soupçonner le médecin qui avait procuré à Michael Jackson une quantité illimitée de médicaments. 7 mois s'écoulèrent entre le décès de la star et l'arrestation du docteur Murray, et 18 mois supplémentaires avant l'ouverture du procès. Au bout de 6 semaines, le docteur Murray fut inculpé d'homicide involontaire. Il fut condamné à la peine maximale de 4 ans de prison. Une sentence qui a permis à la famille et aux fans de Michael Jackson de tourner la page. Le tribunal a prononcé une condamnation maximale de 4 ans d'emprisonnement. Bien évidemment, l'héritage musical de Michael Jackson va se perpétuer. Alors que le docteur Murray entamait sa peine de prison, Los Angeles mettait en place une série de 47 concerts célébrant l'œuvre de Michael Jackson, un des nombreux hommages rendus à la star après sa mort. Signe supplémentaire que malgré une vie chaotique, Michael Jackson restera dans les mémoires un extraordinaire génie musical. Michael était un artiste et compositeur hors pair, un excellent interprète qui avait un sens inné de la scène. Il était incroyable. Personne ne peut susciter autant d'intérêt que Michael Jackson. Des gens comme Michael Jackson, il n'y en a pas deux dans un siècle ou dans une vie. Il n'y en a qu'un. Nous avons eu la chance de l'apprécier lors de son passage sur Terre et nous continuerons à l'aimer à travers sa musique. Il y avait quelque chose d'authentique en lui. Il y avait de l'exubérance. La vie dans tous ses extrêmes transparaissait dans son œuvre. Même lorsque ce qu'il chantait ne paraissait pas très original, il y insufflait de la vie et c'était le propre de son talent.